faut savoir que je ne sais pas comment vous le faites, ça m'est égal. Est-ce que vous marchez à côté de vos chevaux ou est-ce que vous marchez devant? Très souvent, au début de mon stage, je vous apprends à marcher devant le cheval, juste par question de sécurité pour voir exactement comment vous réagissez, comment votre cheval réagit. On est plus en sécurité quand on est devant. On fait plus ce que la mère ferait avec son poulain. Ça veut dire suis-moi et confiance, suis-moi. Quand on se retrouve à côté, et très souvent les personnes guident leurs chevaux de cette manière-là, c'est plus du faire-faire. Okay? Donc on les amène à faire des choses. Tandis que moi, j'aimerais bien qu'ils se mettent en harmonie avec moi, de façon à ce qu'ils aillent là où j'ai envie d'aller. En harmonie, ça peut être derrière moi, ça peut être à côté de moi si j'ai envie, mais à côté de moi, c'est sans les tenir, mais sans les obliger et les tenir forcément ici. Part devant moi, il commence à aller trop vite. Au lieu de dire je vais refaire, mon cheval me dépasse, au lieu de dire non, 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 au lieu de dire non, donnez-moi un tout petit peu plus d'espace juste pour que mon cheval puisse avoir plus de mal. Au lieu de dire non, voilà ce que vous allez faire tout à l'heure avec vos chevaux. Mon cheval me dépasse. Je change de direction. Je n'ai pas besoin de dire non, c'est ton problème si tu vas là-bas. D'accord ? Mon cheval me redépasse. Tu n'as pas besoin de t'as des kilomètres de moi non plus. Tu peux me passer de juste à côté. Hein. Est-ce que vous avez vu ce que maman a fait sur la corde ? Donc, elle va me redépasser. Je change de sens. Ma corde glisse sur ma main. Contrairement à Je sens et... D'accord ? Donc, quand vous avez une corde ou une longe dans la main, il faut savoir que c'est la même chose que quand vous avez la pression sur votre cheval. Au début, vous avez simplement la main fermée dessus en ayant les doigts tout ouverts. Et au fur et à mesure, si vous avez besoin, vous allez laisser glisser la corde. Tu vas aller lentement, moi je vais aller plus vite. Tu vous allez laisser glisser la corde dans la main avant de fermer vos doigts. D'accord ? La différence entre ça, ben moi je vais vous faire. Ok ? La différence entre ça, je vais vous le refaire ça. Donc j'ai une main qui glisse sur la corde et dont les doigts se referment progressivement. Et je vais faire l'autre manière, où j'ai une main, et mon cheval ne peut pas avancer. De toute façon, mon cheval est toujours plus fort que moi, et on n'y arrivera pas.